m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis, mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde ! On a monté notre petite affaire. Halt ! Police ! Stop ! Vito, par ici ! Lance-moi le sac ! Arrêtez ! Ou je tire ! Merde ! Ok, salopard ! Écarte les jambes ! Merde ! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on est du côté. On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus de côté. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. Allez, Scaletta. Allora, traditori! Siete morti! Zitti! Faut qu'on dégage ces balcons, Scaletta! Ah! On va aller! Allez, allez, recule! On y va! Avec moi! Caporal, ce type quitte l'armée va rappliquer ici. Avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse. Puis vous retrouvez les prisonniers. On va avoir besoin de tous les hommes disponibles. Impossible de passer par là. Oh, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse. Attention! Lance une grenade par cette fenêtre! Merde!
Escaleta? Toujours en un seul morceau? Ouais, enfin je crois. Bon bah alors lève tes fesses et on y va. Fais le plein de munitions. Après on pourra tous ravitailler. L'escalier, vite! Eh, prenez ça, sale rigole! Oh non, pas toi, Escaleta. Alors, ça arrive toujours? Et un chiffon pour le produit! Il doit y avoir des prisonniers en haut. Nettoyez le premier étage. Escaleta, t'es en pointe. Je couvre, mon pote. Hey, qu'est-ce que t'as fait, tu vois? C'est bon. Arrenditi, o gli faccio saltare. Je crois qu'on va devoir passer par là. Allez, viens. Oh merde, j'ai pas pensé. Surtout, c'est con. On s'en fout, continue de tirer. Garde-toi, c'est plus vite, c'est con. Allez, on cause moins, on tire plus. Garde-toi, ton combat. J'ai été trop con. Merde, il va pas tenir longtemps, ce balcon. Allez, qu'on rentrait, vite. Oh merde. Entre là-dedans, Escaleta, où on va tous y rester! Allez, montrez que vous en avez! Bravo di Battisti! Arrivo nuovo di Battisti! Montano le voci! Allez, vite! Mets-toi à la mitrailleuse! Di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Non sparate, becciotti! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Revi davvero, Don Calò? Cacetto, un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, lo chef della mafia siciliana. Una garnison tutta entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. J'ai eu moins de chance en 45 quand un boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement.
Vito, ici! Hey, Vito! Joe! Hey! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse. Il faut ça pour le boulot. T'as sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué ? À ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique ? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble ? Il y a 2 ans ? Presque 3. La soirée de Tony Sacchelli, non ? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça ! Putain, 5 minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît ? Alors, raconte. T'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi, le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidé par un type, Don Callo. Ah ouais, Don Callo. J'en ai entendu parler. Ah bon ? Ouais. J'ai rencontré des gars comme lui, ici. Des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps ? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille ? Le vieux Patton en personne. Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué 2-3 Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer à couilles rabattues. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays ! Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Salut. Salute, Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'as relâché pour bonne conduite ou quoi ? Oh, j'ai été blessé il y a 2 mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Mais attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, ce que t'as fait pour moi la semaine dernière. Il s'appelle Vito Scaletta. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire, et donc, d'après les docteurs, tu pourras pas repartir. Quoi ? Oh non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein ? T'es sûr de ta combine ? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais ? Et puis je vais payer avec quoi ? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccables. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose ? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la monnaie. Vito ? Ah, bonjour, madame... Vito ! Alors, c'est toi ? Oh, tu es beau dans cet uniforme. Ta mère doit être fière. Et ce pauvre Salvatore Montemaggiore, comment va-t-il ? Tu sais que sa mère attendait son retour la semaine dernière. Salé dans la marine, moi dans l'infanterie. On n'est pas ensemble. Entre
prudent et viens boire une tasse de thé avec moi, Vito. Tu pourras m'expliquer tout ça. Allez, quoi, Marie? Juste une? Ouais, on vient tout de suite. C'est hors de question. Il bouge pas, tu sais, vous entendez? Mais c'est juste une bière! Ah, les gonzesses. Ouais, c'est ça. Juste une bière. Donc, j'espère que c'est les nôtres. Bien sûr que c'est les nôtres. Ouais, c'est ça. Vito, mon fils, tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attends. Ça va? Tu es assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppa di pollo, c'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. Tu dois être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Bonne nuit à toutes les deux. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que... j'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Mama, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus? Non. Tu vois? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir et travaille dur comme ton papa. Va le voir, je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, mamma, ok, c'est promis. Grazie a Dio. J'en ai rien à foutre. Désolée. C'est pas mon problème. Hey, vous devez tout vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Vito! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? M'oblige pas de flanquer une correction, petit. Alors, tu joues au dur devant les femmes? Hein? Allez, fais-moi peur. Vito, s'il te plaît. Tu aggraves les choses.
Arrêtez, s'il vous plaît, ne vous battez pas pour ça. Je t'en prie, Vito, ne t'en mêle pas. Tu vas avoir des ennuis, Vito. Non, arrêtez, s'il vous plaît, ne venez pas pour ça. Et puis merde. Ouais, c'est ça, fous le camp, et vite. Vous allez le regretter. Ouais, tous les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. Embêter? M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny. Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? $2,000. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, maman veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut $2,000 et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Pardon, madame. Vous savez où c'est, chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière, sinon il peut chercher un autre appartement. Oh! Je tombe mal? Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh! On aura tout vu, vraiment. J'ai ramassé ses sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, housse les filles, j'ai du boulot. Repassez demain, ok? On reprendra où on s'est arrêté. Allez, dehors. Ben quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Plus on est de fous, plus on rit. Non, pas cette fois, chérie. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à se raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les $20 que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Donc, tu t'es fait assez de fric pour payer tout ça en 3 ans? En 3 mois, plutôt. J'ai même pas encore eu le temps d'acheter des meubles. 3 mois? La vache,
Suffit de connaître les bonnes personnes. Ça tombe bien pour toi. Tu me connais. Alors, t'as pensé à ce que tu veux faire maintenant? T'avais parlé de me présenter à ce Giuseppe, je crois. Non, je parlais de ce que tu veux faire dans la vie. Quand t'étais là-bas, t'as jamais imaginé ce que tu ferais en rentrant? Pas vraiment. Enfin, si, le truc classique. Me trouver une gentille nana, m'installer. Oh, t'auras tout le temps pour ces conneries plus tard. Pour le moment, faut qu'on te redonne goût à la vie. Au fait, merci encore pour le certificat de démobilisation. Tu parles, j'ai juste passé un coup de fil. C'est Giuseppe qu'il faudra remercier quand on ira le chercher. Dis, tu me laisserais pas... Quoi ? Conduire, Vito ? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse ? Joe, quand j'étais là-bas, mon job, c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Je conduisais une Jeep, pas un char. C'est quoi, une Jeep ? C'est du... Laisse tomber. Tu me laisses conduire ou pas ? D'accord. Prends les clés. Mais tu fais gaffe, hein ? Bon, quand il fait froid comme aujourd'hui, t'appuies un peu plus que d'habitude sur l'accélérateur. C'est la pédale de droite. Je sais, Joe. Ok, tourne à droite, là. Puis tout droit pendant un moment. Hé, oh, lève un peu le pied, hein. Tu vas finir par nous faire arrêter. Hé, Vito, tu sais quelle heure il est ? Non, pourquoi tu me dis ça ? C'est l'heure que tu te chopes une caisse. Ah, ça me plairait si j'avais les moyens. Qui t'a dit qu'il fallait la payer ? Ah ouais, tu plaisantais pas, ils t'ont vraiment appris à conduire là-bas. Au moins, ça t'aura servi à quelque chose. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre. Va chercher des rossignols chez Giuseppe. Bienvenue au bazar de Giuseppe, le paradis de la cambriole. Il vend tout le nécessaire. Il fait aussi les faux permis de port d'armes et les certificats de démobilisation pour ceux qu'on en marre de l'armée. Hey, Giuseppe. Salut, je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein ? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. Ah, c'est fini, tout ça. Comment vas-tu ? C'est pour toi, les papiers ? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher ? L'armée viendra plus jamais te chercher d'époux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur ? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Grazie. Et c'est ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. Quand elles sont toutes en place, tu tournes la pince et la serrure s'ouvre. Ah, merde ! À bientôt, Giuseppe. Facile, hein ? T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. Ok, t'as toujours envie de piquer cette caisse ? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer.
cible vol de voiture. Accélère! Bien compris. La vache, on l'a échappé belle. Ouais, bah c'est pas encore fini. Sam-les, vite! Bien reçu. Ah, ce type est taré! Il faut qu'on le neutralise! C'est bon, je crois qu'on les a semés. Alors, la caisse, elle te plaît? Pas mal. Donc je vais la garder. Bien, on se trouve un atelier de carrosserie. C'est eux qui vont nous aider. Et ça va coûter cher, cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier fera l'affaire, je connais le proprio. Ici, garde-toi devant le portail du garage. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Une nouvelle plaque ? Pour vous, pas de problème. Et voilà, je l'ai un peu modifié. Choisissez une couleur. Hé, hey, vous cherchez de nouvelles jantes ? Vous avez le choix. Merci beaucoup. Bon, maintenant, il faut que t'ailles te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord. Et il crèche où ? Il a une casse auto à Riverside. Tu peux pas la rater. Comment il s'appelait, ce gosse ? Quel gosse ? Le gars de l'atelier. Ah, Tommy, c'est le neveu de Charlie. Un putain de bon danseur. Il y a 2 semaines, on a fait une virée à la vieille boîte à Oyster Bay. Il a rendu toutes les nanas dingues. Tu serais pas un peu jaloux ? Tu rigoles ? J'ai pas besoin de frimer sur la piste. Mon truc à moi, c'est le charme. Je vais te donner 2-3 phrases types pour te lever une poulette, sinon tu vas passer toutes tes nuits avec la veuve poignée. Mais, c'est un miroir dans ta poche ? Ça te dirait que je prenne sa place ? Toi, tu me mets en émoi. Toi et moi. Tu vois ? Ça te dit ? Oh, arrête ! Eh, ça te dit de venir jouer au docteur ? Je te ferai une grosse piqûre qui fait pas mal. Et pour toi, ça marche, ça ? Tu connais la différence entre le sexe et la conversation ? Ben, viens chez moi, j'ai très envie de te causer. T'es un grand malade. Eh, hey, beauté ! Super, tes fringues ! Ça va en jeter demain matin quand on va les retrouver roulées en boule au pied de mon lit. Oh, c'est minable. Fous-toi de ma gueule si tu veux. Seulement figure-toi que ça marche plutôt pas mal, ce genre de truc.